Yo, salut tout le monde, c'est Snekai, bienvenue aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare Remastered, Modern Warfare tout court. On est avec des amis, on est avec Gizmo, Yann et Zoltrax. Oh yo, j'ai débloqué le sniper. Oh. On va jouer au sniper. Oh mon dieu, ça prend une latence, c'est à zoomer. Oh, c'est de la crise de mort. Oh, c'est quoi ça? Oh, j'ai l'impression de tenir un... Tu sais, c'est pire là. Je te jure, si j'arrive à faire un kill avec le sniper... Hein. J'ai essayé puis j'ai abandonné. La vidéo, j'ai appelé mon premier kill au sniper. Premier kill au sniper. Ah, finalement, il était. Oh, yo, je me suis fait. Ok, c'est à chier le sniper, je m'en vais. C'est. Ben, je m'en vais pas là, mais. Je n'aime pas vraiment le sniper. Je suis bien plus excité de jouer à Black Ops 2. Celle de Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4. Ouais. Wow. BO3, BO2, même BO4, je pense que j'étais plus excité. Ouais, j'étais excité de jouer à celle-là jusqu'à temps que je la joue. Genre, y'a beaucoup trop. Ben, c'est parce que depuis qu'ils ont ouvert les maisons, genre toutes les maisons que tu peux embarquer dedans, genre, y'a juste des gamins. Ouais. Les spawns, là, ça, on n'en parlera pas, ça a toujours été un problème. Fait que pour tous ceux qui rushent pis qui courent partout dans la balle comme des vestiges de mongols, ben, on n'est pas capable de jouer parce que. Y'a des campers dans toutes les calices de coins de maison. Encore là. J'ai d'avoir la killcam du gars, là. Il était dans la fenêtre à viser. Il a jamais lâché une fois. Puis à un moment donné, quelqu'un passe, lui, tu sais. Il sent un jeu avec ça, genre. Il est bien dans sa peau. Comment tu peux être bien, tu sais, avec KMP, genre, ça. Il me semble c'est pas long, à un moment donné. On voit ça plate. Nice. Calisse que ça prend du temps à tuer quelqu'un, mais c'est une petite calisse de tabarnak. Bon, let's go. Il est fait. J'ai l'impression que je suis le seul qui est pas capable de tuer du monde fucking vite. Moi je pense parce que je me suis fait trop d'attente envers le code. Non. Non. Je dirais pas que je suis déçu. Je trouve ça juste. La mécanique, je la trouve bizarre en crise. C'est comme essayer de faire les. Tu joues à Ghost, Sty? Non. Tu joues à Rainbow Six Siege? Ouais. C'est la même mécanique. Okay, ouais. C'est clairement ça. Mais un peu plus rapide. On dirait genre l'équipement il est lourd, Sty, la misère à bouger. Là, t'es plus un robot qui vole partout, hein? Ouais, au moins. Tu sais, c'est bien, on fait ça un peu plus réaliste, mais. Comme. Il y a réaliste, pis caliste, c'est quoi ça? Check ça, hostie de caliste, la tabarnak de jeu de don. Ah, pas d'allure! Fuck, j'ai du spawné. Moi, je suis en dedans, pis ça me tue, cette hostie de missile-là. Ouais, ben c'est aussi là, quand t'es au premier. Une grenade explosive. Oh mon dieu. Explosé avec. Bon. Nice. Je suis un camper. Ah non, laisse faire. Je me suis tué. C'est quoi vous trouvez de positif de ce, dans ce jeu-là? Je te dirais qu'ils ont ramené ça aux sources. Ça, c'est vrai qu'ils ont ramené ça aux sources justement du bon vieux Call of Duty. Là, sans... fucking skin qui explose d'un bord pis de l'autre pis qui ont des pics dessus pis... Mais ce que je dirais que j'aime le plus, c'est que une fois cette année, ils ont fait réussi à faire un code nouveau avec justement des changements, genre des nouveautés, mais sans que les nouveautés soient tout le temps reliées à genre soit un nouveau type d'arme, soit un nouveau type streak futuriste, soit on a rajouté des jetpacks, là c'est juste des nouvelles mécaniques, genre le fait de double run, le fait de d'ouvrir des portes, c'est tout des trucs genre qui changent le gameplay, mais qui reste quand même fun. Y'a pas les chiens d'attaque. Il y a une 3-8 times 2. Tu sais, ça c'est gay, tu vois, genre le gars il vient spawner, pis il est spawné à l'arrière de moi, genre c'est con. Genre les spawns, ça, ben, oui. Ouais, mais les spawns vont les régler, c'est sûr. Oh, je sais, mais pareil, genre tu donnes pas le goût, tu sais, la bêta d'habitude. Il a dit que ce code-là il allait tout faire dans les codes. Qui ça? Phase Rain. Ouais, mais pour le sniping peut-être, parce que le jeu ils l'ont mis plus réel, fait que genre faire des 5-1 pis tout va être un peu plus difficile, c'est normal. Pour le reste, je pense pas. La seule affaire, c'est que c'est comme la bêta d'habitude, c'est là où que tu t'en vas chercher le plus de joueurs. Tu donnes des codes, tu permets aux joueurs de venir voir c'est quoi ton jeu. Si ton jeu est de la merde en bêta, bonne chance pour aller chercher une... genre du contenu justement
une fois qu'il va sortir, là, comme moi, là, je suis content de pas l'avoir précommandé live. Moi too, man. Je vais attendre qu'il sorte, puis make sorte, ben je vais voir qu'est-ce qu'ils ont amélioré, puis ben après ça, je vais peut-être l'acheter s'il est bon. Y a-tu le fun, le code, ou... Ah, oh, c'est très correct. Correct, c'est sûr, disons. J'ai connu bien meilleur. T'as de l'air sarcastique avec ton... Ah, ben, ils ont beaucoup d'affaires à améliorer, là, au moins. Au moins, je suis content que ce soit la bêta qui avait pas fait ça avec le jeu qui... Genre, par exemple, le jeu venait de sortir pis c'était ça le gameplay. J'avais pas trippé pantou. Oh, genre, Slay, tu peux pas rusher partout. Ouais, ben, c'est ça maintenant, c'est qu'il faut que tu joues plus safe. C'est juste ça que le monde va devoir commencer à s'habituer. On va commencer à jouer safe, jouer, checker les corners, checker tous les spots, pas foncer dans le dos, parce que... Ben, like, si c'est pour être ça, le jeu, foncer dans le tas marchera plus tant que ça. C'était le fun de foncer dans le tas, moi. Ah, j'adorais ça, moi, c'est ça qui était le fun aussi. Il va. Nice. Bon, on a perdu. Ouais. Ok, on est. Non, mais pour qu'est-ce qui est visuel, tout qu'est-ce qui est visuel du jeu, je sens que ça va être un bon jeu. Je sens que même la campagne va être le fun. Ouais. La seule affaire, c'est vraiment le gameplay que j'espère qu'ils vont améliorer un minimum, genre. Non, c'est pas un mauvais jeu, là, c'est juste que... Je vais switcher ça un peu. Est-ce qu'on va jouer sniper? Est-ce qu'on va essayer au moins? Ah, ok, non, là on voit tout ce qui est comme. Ça me rappelle les missions de Modern Warfare 2 puis de Call of Duty, ben de MW3. Bon, au moins j'ai qu'un kill là. Wouhou! Capitulation de l'ennemi, wow. LOL. Y'a même plus d'ennemis là-bas. Bon, donc yeah, la vidéo est terminée. Donc finalement, ben disons qu'on a joué au sniper. J'ai essayé de jouer au sniper un peu. Donc j'ai fait un kill, j'ai fait hey, fuck that shit. Je vais jouer dans une autre vidéo. On a décidé un peu de juste un peu critiquer et de voir ce qu'est les pots et les comptes à date. Donc vous avez eu plusieurs opinions de plusieurs de mes amis. Moi, je trouve juste simplement que c'est trop ouvert, il n'y a pas assez d'endroits fermés, il y a trop de portes. Les spawns, ben, sont de la merde, c'est normal, c'est une bêta. Puis, il y a des armes qui sont pas équilibrées, donc c'est normal, c'est une bêta. Bref, vous allez voir un petit peu plus de gameplay plus tard, mais là, c'est ce qui résume cette petite vidéo-là. Donc, on a gagné face à une capitulation de l'ennemi. Donc voilà, donc c'était Snake Eyes, n'hésite pas à aller voir dans mes réseaux sociaux, aller sur Rogue Energy pour avoir 10% avec le code Snake Eyes, de lâcher ton plus gros pouce bleu et de laisser un commentaire et t'abonner à ma chaîne YouTube si ça tente. Et je te dis ciao tout le monde, and... Peace.